prendre ma petite canne avec un petit leurre, un petit alcool simple, hein, on va voir ce que ça donne. Lazare, il sort de partout. Essayer d'en piquer un autre pendant qu'ils sont là. Ok, il est monté sur moi, j'ai attendu qu'il tourne. Bonne nuit Tazar. Allez top. Bonne nuit Tazar, séchez ça net. Il a pris ça là là, comme ça là, et ressorti là là, juste derrière. Magnifique le petit tir là. Montez sur moi, à mon avis, il a dû regretter. Le fusil à Raftec, enfin mon fusil que Raftec m'a offert. Magnifique, il l'a séché direct. Yeah. Il a même gravé Young and Pichot dedans. Merci à Raphaël, regarde ce qu'il a donné. Il a pris ça là, là. Il est venu droit sur moi. Il arrive devant. Du coup, j'ai attendu, j'avais peur de le louper. Là, il a commencé à tourner là. Et là, pssst, direct. Hey. Premier Tazar à la plonge. Magnifique. Thank you.
Bon, ben voilà, là on est revenu de la pêche. J'ai fait mon premier tasar. Voilà, j'étais content avec le fusil que Raftec m'a offert. Regardez comment il est magnifique. Voilà, donc le fusil à double sando, là je l'ai bien inauguré. Bon, c'était pas la première fois que je piquais un poisson. J'avais piqué un perroquet. Une belle saumonée aussi. Mais là, c'est mon premier tasar, je l'ai fait avec ce fusil, j'étais super content. Maintenant, on va préparer un petit plat, je crois qu'on va se faire un petit curry, un petit curry ou quelque chose comme ça. Voilà, on en a piqué un seul, il y a largement assez pour nous la famille, on est quatre. En plus, il y a Malik qui a fait son premier tasar. Voilà, il était super content, il a bien bagarré, à peu près, non, il est un peu plus gros. Celui-là, il est un peu petit, mais il y a largement assez pour nous. On en a déjà un au frigo. J'ai loupé la montre. Ah non, non, non. Voilà, un beau TV tasar. Ça y est, j'ai enlevé la peau, je l'ai sauté du corps. Maintenant, on va faire des petits steaks comme ça. Une partie en petit steak qu'on va mariner et qu'on va faire cuire. Et une autre partie qu'on va faire en curry. Allez, ça c'est les petits bouts qu'on mange pas trop, du coup je peux donner à la Chine. Voilà. Et elle adore le tasar. Maintenant que j'ai tout coupé, on va mettre ça au frigo. Ça, c'est pour la marinade, ça, c'est pour le curry. Au frigo, et on prépare ça ce soir. Donc, on va passer à la préparation du curry. J'ai piqué un tasar et j'avais envie de le préparer en curry. Donc, pour cuisiner le curry, on aura besoin de... citronnelle, un petit peu, kombawa, un seul y aura assez,
oignon, un petit bol, gingembre, ail, donc là on en a mis 5, de la pâte de curry, donc nous on utilise de la pâte de curry mauve, mais il y a aussi la jaune, la rouge qui est aussi bon, la verte est un peu plus fort. Du curry traditionnel, voilà. Nous, on a utilisé un peu. Il est bon celui-là parce qu'il reste encore un peu tous les graines. Il n'est pas totalement en poudre. Le lait de coco qu'on a pressé et râpé tout à l'heure avec maman. Et on en a gardé un peu que de râpé pour lier un peu le lait de coco au curry, quoi. Donc là, on va commencer. Maintenant, je vais allumer la poêle. Hé, Yossi. Donc là, on va passer à la préparation. D'abord, on allume la poêle. Donc, on va commencer. On va mettre un petit filet d'huile. On commence par les oignons. On y ajoute le gingembre et l'ail qu'on a haché. Un peu d'ail. Ok. Donc, on va y ajouter une cuillère de curry mauve. Et un petit peu de ce curry-là, de curry. Pour bien faire revenir tout ce qu'on a mis avec les épices, pour bien dégager les saveurs d'épices. Et le poisson. On va y ajouter le poisson. Y ajouter un peu de sel, nous on en prend un peu du gros et du poivre. Maintenant on va râper du kombawa. Ben nous on va râper le fruit, mais on peut utiliser aussi la feuille pour mettre directement dans le plat. On va ajouter de la citronnelle. On met déjà des papiers de pain. On mélange un petit peu et le lait. On va pas tout mettre, hein. La moitié. Passe pas le poisson, bien, prends bien par là. Maintenant, on va le laisser mijoter 2 minutes quand le poisson est déjà assez cuit. Et j'ai fini, je me suis préparé une petite assiette et on va goûter ça. On va goûter ça. Vérifions ensemble. Ouais, elle est bon. Vérifions ensemble. Super bon.